en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. C'est une opération de police très particulière qui se prépare cet après-midi. Ça sera le compte-rendu. Muriel et son collègue Patrick sont des agents de la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Véritables policiers de l'assiette, ils sont chargés de contrôler la qualité et l'hygiène des restaurants. Mon arme de service. Muriel prend ses précautions, car lors des contrôles, elle et son collègue ne sont parfois pas les bienvenus. T'étais là quand on s'est fait tirer au mortier à... Oui. Ah, c'était avec toi, oui, coup d'af. Oui. On a une collègue des impôts, oui. qui a eu très très mal à l'oreille. Il y a eu des problèmes auditifs pendant plusieurs semaines. Je crois même qu'elle a perdu des décibels, une acuité. Hein. Aujourd'hui encore, les deux policiers vont devoir être sur leur garde, car ils partent pour une opération CODAF, comme ils l'appellent dans leur jargon. C'est une opération conjointe avec des douaniers, des inspecteurs du travail et de l'URSSAF. Au programme, une descente dans 5 établissements suspects d'Aubervilliers. Dernier briefing avant l'opération. Bon, on a un certain nombre d'objectifs. Dans le lot, une boulangerie, 3 débits de boissons au restaurant et une épicerie alimentation générale. On fait les établissements de bouche en premier, c'est pour ça qu'on commence par la boulangerie. Voilà, d'accord. Pour être sûr d'avoir du travail, okay. Et on terminera par l'épicerie. Parfait, y va. Première étape, une boulangerie du centre-ville d'Aubervilliers qu'ils connaissent bien. C'est un établissement qui, a priori, est connu de nos services, puisqu'il a fait déjà l'objet de contrôles et, a priori, il y a déjà eu des sanctions administratives. Donc, on va voir si la leçon a été retenue. Moi, je l'ai déjà contrôlé et mon collègue y était retourné. Et effectivement, avait fermé l'établissement en juillet dernier. On y va. Sur place, une quinzaine de policiers occupent déjà l'établissement pour le sécuriser. Bonjour. Alors, on va essayer de se glisser pour aller contrôler notre partie. Des beignets, des viennoiseries au chocolat, des sandwichs, et des gâteaux en apparence appétissants. Pourtant, grâce à son thermomètre électronique, Patrick a déjà remarqué un premier problème. La température de conservation, normalement, doit être au plus à 4 degrés. Et là, on est à 10. T'as du thon, là. En plus, il y a du thon. Avec les vitrines, vous avez de la chaleur qui est diffusée par les lampes, ce qui fait que, du coup, vous avez une matière qui est dangereuse pour le consommateur. Et ce n'est que la partie visible. En sous-sol, dans les cuisines, les deux policiers vont vite mesurer l'ampleur des dégâts. On a des conditions d'hygiène quand même qui sont très limites. Vous voyez, on ne peut pas dire que les procédures de nettoyage soient effectuées. Il y a des cartons au sol, il y a des poubelles non fermées. Vous noterez que les contenants ne sont pas nettoyés. Les murs sont poisseux au toucher. Vous avez au niveau de tout ce qui est pâtisserie, un manque d'entretien évident. Au premier abord, la marchandise n'est pas repoussante, mais lorsqu'on regarde le contexte dans lequel elle est conservée, on peut apercevoir ici aussi que le nettoyage intérieur n'est pas réalisé. Si les gens descendaient, ils auraient peut-être envie d'aller voir. Après, on a un problème aussi d'écoulement. C'est inefficace, c'est évident. Et toutes les pièces sont dans le même état. Oh là 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 là. C'est une catastrophe, encore ce truc. Des coulures, des salissures. Là, vous avez l'utilisation d'une poche avec une douille qui a été utilisée pour la chantilly. La douille doit être lavée et remise dès qu'on veut utiliser le produit. Ce qui n'est pas le cas. La poche, je pense qu'elle a même servi plusieurs fois, sans être nettoyée. Vous avez des torchons crasseux qui traînent. Je suis dépité. Muriel et Patrick ne sont pas au bout de leur surprise, car ils vont découvrir des locataires inattendus. Ah, j'ai même des cafards. Des cafards, donc il y a des nuisibles. J'ai même des nuisibles, là, vivants. Ah, mais ça court de partout. Voilà, sur l'étagère. Ah, il y a de la blatte qui court de partout. Attirés par l'humidité et la nourriture, les insectes ont envahi les lieux. Et ils ne sont pas les seuls à avoir élu domicile dans ces cuisines insalubres.
Et je pense même que j'ai des crottes de souris. Hein. Vous avez un laminoir qui permet d'étaler les pâtes qui servent pour faire le pain ou des pâtes à gâteau. Et là, on voit clairement des crottes de souris. Pour la policière, c'en est trop. Car ces excréments contiennent des bactéries qui peuvent provoquer une leptospirose, une maladie très dangereuse pour les plus fragiles. Si vous avez, par exemple, une maman ou quelqu'un de fragile, une femme enceinte, elle peut avoir des gros problèmes dans sa grossesse, notamment, avec les excréments. Parce que là, vous voyez des crottes de souris, mais il y a aussi des urines qu'on ne peut pas déceler à l'œil comme ça. Et là, l'urine de souris peut véhiculer des graves maladies et des conséquences assez graves. Muriel accumule les clichés pour étayer le dossier qu'elle va soumettre au préfet du département. Dans ce genre d'affaires, c'est lui qui décide de la sanction. Même si Muriel a déjà peu de doutes sur le résultat. Je pense qu'on va repartir malheureusement sur une proposition de fermeture. Une fermeture malheureusement. À l'étage, une employée assiste éberluée au travail des policiers. Son patron est aux abonnés absents. Donc je vais convoquer le gérant. Je ne sais pas où il est. Vous savez où il est ? Il est présent, il n'est pas à l'étranger, il est en France, hein. D'accord. Parce que j'avais déjà eu affaire à lui. Alors, je vais vous donner une convocation que vous allez lui remettre. Il est impératif qu'il vienne. S'il ne vient pas, ça sera le commissariat de police qui viendra notifier la mesure. Fin de cette première opération coup de poing. Sans surprise, le commerce sera fermé dans les jours qui suivent, sur ordre du préfet. La routine pour les deux policiers. En Seine-Saint-Denis, on a régulièrement des plaintes de consommateurs qui découvrent des excréments de souris dans les baguettes qu'ils achètent. On a même une dame une fois qui a découvert une souris entière dans une baguette de pain. Sur 10 boulangeries-pâtisseries qu'on contrôle, on va dire qu'il y en a 7 qui sont dans des infractions du même type. C'est ça qui est triste. Pour Muriel et Patrick, ce n'est que le début des contrôles. Et vous allez voir que d'autres très mauvaises surprises les attendent. L'an dernier, dans le département, sur 1000 inspections, ils ont réclamé la fermeture de 86 établissements. 10 fois plus que la moyenne nationale. Foie gras du Sud-Ouest. Escargot à la bourguignonne ou poulet de Bresse. Dans le monde entier, la France est connue pour être le pays de la gastronomie et nos chefs étoilés sont vénérés comme des superstars. Et je réclame derrière Sidonrad. Oui. 7, 2, 6. Oui. Mais sur les 175 000 restaurants que compte le pays, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Manque d'hygiène, produits périmés et tromperies sur la marchandise font aussi partie du décor. Les consommateurs publient d'ailleurs régulièrement des photographies de leurs mauvaises trouvailles sur les réseaux sociaux. Une souris morte dans une salade au saumon. Une dent humaine dans un steak haché. Ou encore un rasoir dans du bœuf bourguignon. Ouf. Alors là, c'est la cata. Là. Résultat, en France, les intoxications alimentaires sont toujours aussi nombreuses. Il y aurait plus d'un million et demi de cas par an, parfois mortels. Escherichia coli, salmonelle. Les noms de ces bactéries ne vous disent peut-être rien, pourtant elles sont responsables de 250 décès par an et de plus de 17 000 hospitalisations. On nous annonce que Nana ne touchera plus, ne parlera plus, ne marchera plus. Notre fille, elle a changé. Pour lutter contre ce fléau, plus de 6 000 inspecteurs de l'hygiène et de la répression des fraudes multiplient les contrôles à travers tout le territoire. Restaurants, marchés, mais aussi ateliers de fabrication industrielle. Leur mission, traquer les délinquants de la cuisine. On ne peut pas dire quand même que le foie gras il soit très appétissant. Pendant un an, nous avons suivi leur quotidien dans toute la France. Saleté, arnaque, mauvaises conditions de stockage, date limite de consommation dépassée, rien ne leur échappe. C'est pas de la restauration. Ça, c'est du dégoût, tout simplement. En Seine-Saint-Denis, vous allez découvrir le travail de Muriel et Patrick. Dans certains quartiers, où ils sont rarement les bienvenus, les deux policiers doivent constamment jouer au chat et à la souris avec les restaurateurs malhonnêtes pour les prendre en flagrant délit.
Eh ben, c'est pas gentil de fermer quand on arrive quand même. Hein? C'est pas gentil. Hein? Dans le sud-ouest de la France, le long de la côte atlantique, Catherine et ses collègues traquent les arnaques à touristes. Et vous allez voir que l'été, ils ont du pain sur la planche, car elles sont nombreuses. Je commence à perdre patience un peu là. Donc vous allez prendre les escalopes milanaises, vous allez les détruire. En Bourgogne, l'un des fiefs de la gastronomie française, Rémi a parfois lui aussi du mal à garder son calme. Car certains restaurateurs peu scrupuleux ont recours à de petites combines pour gagner quelques euros de plus. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Vous allez avoir un avertissement là-dessus. Enfin, dans le Var, près de Toulon, nous avons suivi Lucien et Marie-Dominique. L'été, ils sillonnent les marchés provençaux de la région pour débusquer les escrocs qui mettent en danger la vie de leurs clients. Vous savez, c'est un délit, ça, monsieur. Ça, c'est passible du tribunal correctionnel. Que se passe-t-il dans les coulisses de vos restaurants préférés? Comment les professionnels de la cuisine vous arnaquent-ils? Immersion dans le quotidien hors du commun des policiers de nos assiettes. Dans les stations balnéaires de la côte atlantique, dans le sud-ouest de la France, les touristes sont au rendez-vous, pressés de prendre un bain de soleil et de déguster les spécialités locales. En particulier, les produits de la mer. Les moules sont parfaites, très fraîches, les frites très bonnes, faites maison. Donc... Regardez cette belle dorade, j'en ai pas laissé un morceau, elle est belle, c'est une tuerie. Ces vacanciers ont de la chance, car en plein été, le choix d'un restaurant relève parfois de la loterie. Tellement risqué que cette période de l'année est aussi la pleine saison pour les agents de la brigade de protection des populations. Faut traverser. Faut aller de l'autre côté, là. Ce matin, Catherine et ses deux collègues effectuent une descente dans un restaurant de spécialités italiennes, très prisé des touristes. Alors... C'est ouvert. Des salades, des pâtes, des pizzas. Pavé de saumon frais, ouais, d'eau de merlu. On ne voit pas l'origine des viandes annoncées. Et au niveau des vins, je ne vois rien d'affiché non plus. Alors, nous sommes du service de la DDCSPP des Landes. Est-ce qu'il y a le responsable de l'établissement ou un responsable de présent? D'accord, bon. Si vous pouvez l'appeler, oui, merci. Comme toujours, c'est un contrôle surprise pour prendre les restaurateurs fautifs en flagrant délit. Moi, je vais voir les parties, le sous-sol. Ah oui, j'ai pris l'appareil photo, bon, par contre. D'accord. Ils ont déjà inspecté cet établissement l'an dernier. Alors, ils se souviennent vaguement de la configuration des lieux. Excusez-moi, vous pourriez m'ouvrir la porte qui donne accès à vos sous-sols. Vous stockez des produits en bas, toujours? Vous avez des chambres froides? On a une chambre froide, mais elle ne marche pas trop. Comment ça marche pas trop? C'est très mauvais signe. Et les inspecteurs vont vite s'apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Bon, déjà pas de lumière. Aucune lumière dans la plupart des zones de stockage. Mais même dans l'obscurité, l'insalubrité de ces sous-sols saute aux yeux et prend au nez. Alors là, ça sent vraiment très mauvais. Là, là on sent que l'humidité est restée dans l'enceinte et que ça n'a pas du tout été ouvert. Donc, Il y a des bêtes, des nuisibles un peu partout. Au sol, des dizaines de cafards morts. Et au plafond, le spectacle n'est guère plus reluisant. Il y a des traces d'infiltration d'eau venant de la cuisine, certainement. Hein. Le problème de sécurité, c'est que tous les câbles électriques là, sont pas du tout protégés suffisamment. Ils ont pris l'humidité, là, ça se voit quand même. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, c'est pas normal, hein, mais vraiment pas normal. Ces inspecteurs expérimentés travaillent pour la protection des populations depuis 10 ans, et ils en ont vu d'autres. Mais cet établissement bat tous les records. Ouais, c'est le... Ouf. Alors là, c'est la cata, là. Cet établissement n'est pas du tout... pas du tout géré, en fait. Pourtant, l'été,
le restaurant servirait au moins 50 couverts par jour. Pour preuve, cette chambre froide, pleine à craquer. Des œufs, du fromage et des ingrédients pour garnir les pizzas. Mais les deux inspecteurs ont de sérieux doutes sur leurs conditions de conservation. J'ai planté mon thermomètre dans le gruyère et on est à 17 degrés. Et là, en l'occurrence, je vois qu'on doit être entre 2 et 7 degrés. Donc on est largement au-dessus deux fois la norme, sans problème, entre 2 et 7. Pour le consommateur, le risque d'intoxication est sérieux. Alors, la sanction est immédiate. On va vous demander de prendre des poches poubelles, de vider la chambre froide. Et essayez de les comptabiliser, s'il vous plaît. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Donc il y en a combien ? 34. Au total, ce sont plus de 150 kilos de fromage qui partent à la poubelle. Et ce n'est que le début. Direction les cuisines, au rez-de-chaussée. Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a quand même pas mal de noir sur l'abdomen, tout ce qui est thoracique, là, au niveau des pattes. L'odeur n'est pas géniale. Un peu plus loin, Catherine a repéré d'autres denrées qui semblent cette fois totalement périmées. Vous voyez, on ne peut pas dire quand même que le foie gras il soit très appétissant. Vous vous doutez bien quand même que responsabilité est engagée. Vous voyez, là aussi, on voit bien que ce n'est pas frais quand même. La couleur est curieuse. Là, on le voit là. Je ne sais même pas ce que c'est là. Sur ces boîtes, aucune information. Impossible de connaître la date limite de consommation, alors que c'est la loi. Là encore, tout doit être jeté. Les inspecteurs commencent à voir rouge. Mais le cuisinier ne semble toujours pas mesurer la gravité de la situation. Je commence à perdre patience un peu là. Donc vous allez prendre les escalopes milanaises, vous allez les détruire. Ça, c'est pareil, c'est une fabrication, on ne sait pas d'où. Il y a des pâtes ici qui sont brûlées par le froid. Vous allez les prendre, vous allez les jeter. Allez-y, jetez les pâtes. S'il vous plaît, d'accord. Ouais, mais vous détachez de la cuisine, on a le sentiment que vous n'êtes pas concerné. Si la chef vous a laissé la clé des cuisines, quelque part, vous êtes capable, non? Le patron du restaurant risque 1500 euros d'amende par produit périmé. Mais le jeune cuisinier semble l'ignorer, car visiblement, il manque de formation. Vous êtes cuisinier de métier ? Voilà. D'accord. Vous avez un diplôme professionnel ? Non, j'ai appris sur le tard. Vous avez appris sur le tard, ouais. L'école ? Ah, vous avez fait l'école ? Vous avez un CAP alors de cuisine ? Je sais pas si jusqu'au bout. Ah, d'accord. Ok. Pas ma vie, quoi. D'accord. Ok. Très bien. Si j'aurais fait mes deux ans, j'aurais eu. Voilà, vous avez. Ça s'est arrêté en cours de route. Voilà. D'accord. En fait, le jeune homme est saisonnier et il n'est clairement pas assez expérimenté pour tenir une cuisine. Un problème récurrent l'été dans les stations balnéaires. Faute de personnel qualifié, certains restaurateurs doivent faire avec les moyens du bord pour faire face à l'arrivée massive de touristes. C'est principalement des saisonniers qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment sensibilisés à la sécurité alimentaire. Donc ça se rend compte assez régulièrement. Et c'est vrai que c'est dommage, ouais, c'est vraiment dommage. Pour manquement à l'hygiène et mise en danger de la vie des consommateurs, les deux inspecteurs vont demander la fermeture de l'établissement. Pour le personnel présent, c'est la douche froide. Bon, alors, compte tenu des constatations que nous avons faites, vous avez bien vu que c'était quand même assez désolant. Nous allons demander la fermeture de l'établissement au préfet pour que vous puissiez, quand je dis vous, c'est les responsables d'établissement, que vous puissiez prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire et des travaux et un très grand nettoyage des équipements. J'en ai pour monsieur et puis si j'ai une réponse, c'est pour ce soir. Ouais. Sans surprise, l'établissement sera fermé. Négligence, manque de formation. Certains professionnels ne se rendent pas toujours compte qu'ils mettent en danger la vie de leurs clients. Mais vous allez voir qu'avec la crise et les difficultés financières, les petites arnaques sont aussi de plus en plus fréquentes.
dans le sud de la France, près de Toulon. C'est jour de marché pour Lucien et Marie-Dominique. Mais eux ne sont pas là pour faire leurs emplettes. L'été, ces deux inspecteurs de la répression des fraudes sillonnent incognito les marchés provençaux pour prendre les fraudeurs en flagrant délit. La pichonnie, là. Ce matin encore, les clients sont nombreux à faire leurs courses, persuadés d'acheter des produits frais et de bonne qualité. Bonjour monsieur. Mais les deux inspecteurs le savent. Les arnaques sont là aussi nombreuses. Alors ils passent tous les stands en revue. Et justement, Lucien vient de remarquer un problème sur le stand d'un vendeur d'épices et d'olives, très prisé des touristes pour l'apéritif. Bonjour monsieur, vous êtes le responsable du stand ? Son inspecteur de la répression des fraudes, la direction départementale de la protection des populations. L'emballage de l'agneau, là vous l'avez ? Oui. L'inspecteur a repéré un saladier suspect avec des olives de Nyonce. C'est une ville située dans la Drôme, au sud de Lyon. Elle est célèbre pour ses olives fripées, au goût très particulier. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Tiens, vous pouvez me l'ouvrir, là ? Ça, les Nyonce, elles sont en général plus fripées que ça. Hein. Non, non, il n'y a que des Nyonce, là. C'était dedans, et je mets à la louche, normalement. Non, il y a un mélange, là. Ah, non, mais quoi ? L'olive de Nyonce AOP, c'est d'abord une variété particulière. Elle est tournante au niveau de la couleur, avec des ridules particulières. Par contre, ce qui n'est certainement pas de la Nyonce, c'est celle-là. Avec une peau relativement lisse. Il y a un mélange de produits, là. Moi, j'ai rien mélangé. Non, non, mais il y a moi, mélange je de... Bien des sauts, après, je... Mais vous avez peut-être mélangé deux sauts. Le vendeur n'en démord pas, mais comme par hasard, à 19,90€ le kilo, l'olive de Nyonce fait partie des plus chères du stand. Et les deux inspecteurs vont très vite comprendre d'où vient le problème. Vous avez deux sauts de Nyonce ? Parce que j'en avais un, oui, j'en avais plus beaucoup. D'accord. Donc j'ai rechargé avec un autre. Oui, mais ça a été rechargé avec un autre. Voilà. Mais c'est deux. Non, mais c'est ça, il ne faut pas chercher, c'est pas. Bon. Enfin, on vous le signale, on vous le dit. Ouais. Ne mélangez plus les sauts de nature différente. C'est de l'agneau, monsieur. Non, non. Je comprends pas ce que... Moi, ça, c'est pas de l'agneau, ça. Je vous garantis non, que après, moi, je suis pas là pour tricher. J'ai pas utilisé le terme tricher. Non, je sais bien, mais je veux dire ce que je veux dire. Visuellement, c'est pas de l'agneau. Après, vous y connaissez mieux que moi, ça, c'est garanti. Est-ce que tu veux les factures ? Non, c'est... Ça, vous l'avez sur l'étiquetage ? Pour un vendeur d'olives, c'est un aveu un peu gênant. Mais Lucien n'est pas étonné. Sur les marchés, il a l'habitude de croiser des professionnels qui ne connaissent pas vraiment les produits qu'ils vendent. On est dans une société maintenant où il y a des petits boulots qui se créent et la vente des olives en fait partie. Parce que c'est un produit qui n'est pas très difficile à trouver, qui n'est pas trop compliqué à stocker. Bon après, les olives, on n'a jamais tué personne avec des olives. Hein. Ouais, moi, je fais attention. Mais néanmoins, il y a un minimum. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de mettre olive noire au point. J'enlève le... Voilà. Tant que vous n'êtes pas certain, vous, de l'origine du produit. D'accord. Pour cette fois, ce sera un simple rappel à la loi. Allez, au revoir. Le vendeur d'olives s'exécute sans broncher, mais un peu plus loin, le ton va vite monter. Sur le stand de ce marchand de fruits et légumes, une pancarte intrigue les inspecteurs. C'est quoi, direct producteur, ça ? Responsable du stand, c'est vous-même ? Comment ? Le responsable du stand ? C'est moi. C'est vous ? Sommes inspecteurs de la répression des fraudes. On est interpellé par votre arrivage direct producteur. Oui. Parce qu'on doit je regarder ça. Directement chez les producteurs. Alors vous ne pouvez pas mettre direct. Vous achetez à des producteurs. Ben non, je n'ai pas l'habitude de voler, madame. Non, non, mais c'est donc parce je ne le vole pas aux producteurs. J'achète, je fais travailler les producteurs français, madame. D'accord. Parce qu'on est en France et on devrait faire travailler que les Français. D'accord. La réaction est abrupte, mais Marie-Dominique ne se laisse pas impressionner, car le vendeur est en tort. C'est une subtilité de langage. Un commerçant ne peut inscrire arrivage direct que s'il est lui-même le producteur et pas un revendeur. Non, simplement ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas mettre direct producteur. Je ne peux pas mettre direct, enfin, il y a du madame. Il y a, ben y a oui, que direct. Le producteur. Non. Je pars, je vais chez lui. Donc non. Je vais direct. C'est pas direct parce qu'il y a une facture arrive. Entre. D'accord arrivage. Bon, c'est pas grave. Voilà. On va vous demander, vous identifier, ben oui, s'il vous plaît. La réglementation sur la façon de vendre les produits, c'est notre job. Direct, il ne faut pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. C'est ça une vente directe. Ah,
direct. Bah vous, vous êtes entre les deux. Allez voir sur la plupart des marchés. Non. Les gens ont ce même panneau et vous vendent la marchandise espagnole. Bon, déjà, quand on commencera à faire le travail comme il doit être fait. Je peux vous parler, monsieur venir. Oui. Je peux m'expliquer? Non, non, je vous explique une chose, c'est que j'en ai plein le cul. Lucien garde son sang-froid, même si le commerçant se montre menaçant. Il remet leur légitimité en cause. Au fait, vous me remontrerez vos cartes. Si vous voulez. Alors ma carte, elle est là. Si vous voulez, vous la prenez en photo. C'est dans quel but? Vous faites une collection? Non. Non? Non, non. Pourquoi? Vous le verrez. C'est-à-dire? Hein? Je le verrai, c'est-à-dire, de quelle façon? Pour vos dépôts de plainte sur harcèlement. Harcèlement? Je fais une fois. Ah, d'accord. Un, vous n'êtes pas ciblé. Deux, il y a presque deux heures qu'on est sur le marché. Vous n'êtes pas le premier stand de fruits et légumes qu'on vérifie. Non, bon, on va continuer parce que vous avez des clients. Bon, je fais juste quelques photos. Les deux inspecteurs ont suffisamment d'éléments pour prouver la fraude. Alors, avant que la situation ne s'envenime, ils préfèrent écourter le contrôle. La suite des échanges s'effectuera par courrier. Allez. Bonne journée, au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Dur. Bon, l'altercation, on commence à avoir un petit peu l'habitude, il faut savoir le gérer. Nous, notre but, c'est de finaliser le contrôle, d'avoir les éléments. Ça ne sert à rien d'avoir un esclandre sur un marché. Donc il faut se mettre un petit peu en repli, essayer de, non pas de faire de la morale, mais de dire à la personne, écoutez, on a été poli, on peut s'expliquer, on peut parler calmement. Mais le problème de fond, c'est ça, c'est quand même une indication qui est particulièrement trompeuse pour le consommateur. On va prendre une mesure d'injonction pour qu'il n'utilise plus ce panneau. Pour les deux agents, ces contrôles inopinés ne sont jamais sans risque. Heureusement pour eux, il leur arrive aussi d'avoir de bonnes surprises. Et dans ces cas-là, ils savent en profiter. C'est l'heure de prendre une pause déjeuner. Pas question d'aller dans n'importe quel restaurant. Lucien et Marie-Dominique ont leurs bonnes adresses. Et pour trouver le meilleur rapport qualité-prix, ils sont même prêts à faire des dizaines de kilomètres. C'est là ? Non, 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 non. Ah, 6. Après les pieds. Ah, 6, c'était là. Aujourd'hui, ils ont jeté leur dévolu sur un restaurant situé dans une zone industrielle. Allez, on mange la soupe. L'établissement ne paye pas de mine, mais Lucien et Marie-Dominique sont certains de leur choix. Notamment pour le steak frites maison. Le steak frites, c'est pour moi. C'est monsieur. Non, mais la cuisse, c'est là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. 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 On a toujours nos petits points de chute dans le département. Pour la bonne et simple raison que d'abord, c'est déjà sympathique. Et puis, c'est un restaurant qu'on a contrôlé auparavant. Et on a été impressionnés, le terme est adapté, on a été impressionnés par le niveau d'hygiène. Je précise maintenant que si on vient déjeuner ici, c'est en payant. Et on paye en ayant une trace du paiement, évidemment, une carte bancaire en particulier. Les fruits sont bons. Venant d'un inspecteur de la répression des fraudes, ce compliment vaut presque autant qu'une étoile au guide Michelin. Car Lucien est du genre exigeant. Après ce steak haché frites, zéro bactérie garantie, les deux collègues repartent sur les marchés, prêts à en découdre avec d'éventuels professionnels malhonnêtes. Attends. Ce sont ces œufs ? Hein ? C'est des œufs de plein air. Bonjour, monsieur. Nous sommes inspecteurs de la répression des fraudes. Oui. Vous avez un document ? Votre cabis ? Sur ce stand de volaille, un détail les intrigue. D'autant que Marie-Dominique connaît bien le vendeur. Elle a déjà eu affaire à lui. Là, c'est bien, vous avez bien changé. Mais oui, je me souviens de vous. Merci, c'est gentil. Alors, quand vous mettez plein air, c'est bien, ça correspond à plein air. En revanche, les plein air, ils sont au milieu d'œufs qui sont des œufs élevés en cage. Il faudra rajouter élevé en cage. Si on met en avant un mode de production type plein air, il faudrait aussi indiquer le mode de production des autres. Là, on voit que c'est de la cage numéro 3. On n'a pas indiqué qu'il s'agit de numéro 3. Donc là, plein air, on met en évidence. Et après, le reste, on n'en parle pas. C'est un ensemble. L'environnement publicitaire
a tendance à faire croire aux consommateurs que, un, c'est un producteur d'œufs, que, deux, c'est du plein air, ce qui n'est pas le cas. On est à la limite de la pratique commerciale trompeuse. Je passe derrière. C'est une petite erreur, mais pour Lucien et Marie-Dominique, c'est l'occasion d'effectuer un contrôle approfondi. Car l'homme vend aussi des poulets entiers ou à la découpe. Comme toutes les viandes, c'est un produit extrêmement sensible. Alors, au niveau de l'hygiène, est-ce que vous avez du savon ? Mais c'est du liquide vaisselle, ça, c'est pas du savon. Ça, c'est pour faire la vaisselle. C'est pas pour se laver les mains. Ça n'a aucune fonction contre les bactéries. D'accord. Du savon de Marseille, si vous voulez. Oui, d'accord. Mais pas du liquide vaisselle. Vous servez des clients, vous manipulez des œufs. Oui. Après, vous servez d'autres clients, vous manipulez des denrées, des cuisses de oui, poulet, par exemple. Mais il faut se laver les mains. Ah oui, d'accord. Vous savez que sur les œufs, il y a des salmonelles. Il ne faut pas qu'il y ait une contamination que vous reportiez sur la viande de poulet. Les deux tiers d'intoxication alimentaire, c'est des salmonelles. La salmonelle, une bactérie très dangereuse qui provoque des diarrhées et de la fièvre. Chez les personnes âgées ou les nourrissons, elle peut même être mortelle. Alors, les inspecteurs ne plaisantent pas avec les règles d'hygiène. Et ils sont loin d'en avoir fini avec ce vendeur, car il y a plus surprenant. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait, là ? Quoi ? Là. Pourquoi vous avez... Je sais pas, c'est parti. C'est parti pas, tout seul ? C'est parti tout seul, c'est ouais. Pas... Non, c'est pas parti tout seul, non. Le hasard, quand même, est... Curieusement, la partie où il y a la date limite de consommation, elle a été enlevée. Vous les recevez comme ça, sous vide ? Oui, madame. D'accord. C'est moi qui les mets là-bas. D'accord. Je vais pas vous mentir. Oui, vous mentez pas. En revanche, manifestement, il y a une action... Volontaire. De vous ou de quelqu'un ? De quoi une action ? Emballé le 20 juillet 2017, à consommer jusqu'au, et comme par hasard, nous sommes tout altérés au niveau de la date. Et là, on n'a aucune garantie sur la qualité sanitaire du produit. En plus, celui-là est fuité, l'emballage est ouvert. Bon, là, risque de contamination évident. Sur un emballage, à la rigueur, deux emballages, il n'y a plus trop de doute. Quatre emballages, non. Vous savez, c'est un délit, ça, monsieur. Ça, c'est passible du tribunal correctionnel. Je suivrai le... Donc, ces produits-là, nous, on vous conseille vivement de ne pas les vendre. Je vous suis. Non, mais s'il y a un problème derrière, sanitaire, derrière, ouais. Nous, on n'a aucune garantie sur la qualité de ce produit-là et sur le risque que vous faites porter aux clients. On convoque. Sans date limite de consommation, impossible de savoir si ces poulets sont périmés. Le commerçant, lui, plaide la faute par inadvertance. Mais les deux inspecteurs n'y croient pas. Pour avoir effacé ces dates de péremption, un délit très grave, il risque jusqu'à un an de prison et 150 000 euros d'amende. Allez, au revoir, monsieur. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Là, il y a une pratique... une pratique qui est assez... une altération volontaire. C'est une fraude, tout simplement. C'est une fraude qui avait tendance à ne plus se rencontrer. Convoqué quelques jours plus tard dans leur bureau, le commerçant écopera de 2500 euros d'amende. Une sanction importante, mais presque légère, au regard des risques qu'il fait courir à ses clients. Et il n'y a pas que la qualité des produits. Ce qui occupe beaucoup les inspecteurs, ce sont également les arnaques sur les prix. Vous allez voir que dans ce domaine, les professionnels du commerce alimentaire et de la restauration ne manquent pas d'imagination pour contourner la loi. À 700 km de là, au centre de la France, au cœur du terroir, Rémi connaît bien ces petites combines. Cet inspecteur de la répression des fraudes travaille à Auxerre, en Bourgogne. Une région réputée pour ses vins et ses plats en sauce, comme le bœuf bourguignon. Un mets emblématique de la gastronomie française. Mais ici aussi, en matière de restauration, les dérives sont nombreuses. Chaque jour, Rémi les traque. Et pour les repérer, il a une technique implacable. Tous les matins, en arrivant à son bureau, il commence par consulter sa boîte mail. Car il a régulièrement des lettres de dénonciation. «
Par exemple, voilà, parmi les dernières plaintes qu'on a pu recevoir, bah là, c'est un consommateur hein, qui est venu se plaindre pour le repas de Noël. Il avait réservé son repas et puis au moment de payer l'addition, bah, le repas a été surfacturé, majoré de 200% hein, d'après ce consommateur-là. Donc voilà, nous, on enregistre ces plaintes et ces réclamations. Une autre qu'on a reçue récemment aussi, c'était sur de la restauration rapide. Un consommateur qui a commandé des pizzas avec une offre et quand il a dû payer, bah, l'offre n'était pas appliquée. Donc voilà, il s'est plaint, il n'a pas eu gain de cause auprès du professionnel. Il est venu nous saisir pour nous exposer son litige. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent vraiment de cibler plus précisément les professionnels qu'on va aller contrôler. Dans son collimateur aujourd'hui, une pizzeria pour laquelle il a reçu une plainte d'un client. C'est une personne qui a commandé une pizza 4 fromages et qui au final n'en avait que 3 sur sa pizza. Donc bon, bah, c'est vrai que si la personne s'attendait à avoir une pizza 4 fromages, il faut qu'il y en ait 4 dessus. Donc on va aller regarder ça et en profiter pour faire un contrôle complet. Ce petit litige pourrait paraître insignifiant. Mais Rémi travaille pour la répression des fraudes depuis 12 ans. Et par expérience, il sait qu'un petit détail peut cacher des problèmes beaucoup plus graves. Avant de démarrer le contrôle, un rapide coup d'œil à l'objet du litige, la carte. Et l'inspecteur en profite pour prendre quelques clichés qui lui serviront de preuve, si besoin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant du restaurant ? Ouais. Je me présente. Je suis inspecteur de la répression des fraudes à Auxerre. Je viens pour un contrôle de votre établissement. Merci beaucoup. Pour le gérant, c'est une visite plutôt inattendue. Mais par chance, son établissement qui peut accueillir environ 80 couverts est presque vide. L'inspection peut commencer et Rémi va se montrer très pointilleux. Au niveau du vin, si vous pouviez me montrer les bouteilles que vous avez, Chablis, Aligoté, Coulanges, Épineuil, Mâcon, Épineuil, Irancy, le Bourgogne, vin du Languedoc, je l'ai vu, Bordeaux. Vous dites Bordeaux supérieur, mais là c'est juste du Bordeaux, c'est pas la bonne appellation. Premier couac, les vins indiqués sur la carte ne sont pas les bons. Bordeaux supérieur, vous avez écrit. Bah, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Il existe des appellations, c'est pour ça. Alors vous n'avez pas le Chablis non plus. Hein. Parce que je vois que vous avez le petit Chablis sur la carte, mais là vous avez du Chablis. C'est moi qui l'ai marqué, donc j'aurais dû marquer le petit Chablis. C'est pas la même chose, c'est pour ça. Pas très professionnel. Donc, ça n'a l'air de rien, mais entre un Chablis et un petit Chablis, les premiers prix varient de 5 euros en moyenne. Si le gérant vend une vingtaine de bouteilles par mois, cette entourloupe peut lui permettre d'empocher une centaine d'euros en plus. Bon, faut faire attention. Donc, le nom du vin, voilà, oui. Le nom du vin, c'est son appellation. Le contrôle commence à peine, alors Rémi préfère rester pédagogue. Mais dans les cuisines, l'inspecteur va vite découvrir d'autres mauvaises pratiques. T'as du nettoyage à faire, hein ? Ouais, non, mais ça, c'est... Celui-là, par contre, il y a longtemps qu'il n'a pas été nettoyé. Normalement, j'ai quelqu'un qui va venir donner un coup de main. Question propreté, l'établissement laisse clairement à désirer. Je pense qu'il y a un petit défaut d'entretien. Rémi commence à perdre patience et il va faire une autre découverte étonnante sur les ingrédients pour pizza. Tout ce qui est pour la pizza, là. Donc ça, c'est quoi ? Grana Padano. Donc vous mettez du Grana Padano à la place du parmesan. C'est du parmesan. Non. Là encore, le prix n'est pas le même. Au kilo, le parmesan vaut en moyenne 4 euros de plus que le Grana Padano. Et ce n'est pas fini. D'accord, vous avez le bleu d'Auvergne. Oh, merci. Vous mettez sur la carte bleu d'Auvergne. Ouais. Vous savez, vous êtes sûr que c'est du bleu d'Auvergne ? Moi, j'ai juste bleu, fromage, à pâte persillée.
Vous avez peut-être la facture, c'est peut-être écrit dessus. Il faut que ça soit marqué bleu d'Auvergne. Ah bah si vous dites que c'est du bleu d'Auvergne. Comme le Chablis, hein. Ouais. Qui viennent de Chablis. Mise bout à bout, toutes ces petites tromperies peuvent permettre au restaurateur d'augmenter fortement ses bénéfices. Mais elles peuvent aussi lui coûter cher, car elles sont sévèrement punies par la loi. Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Le patron joue l'étonnement, mais il semble être coutumier du fait. Dans la chambre froide, Rémi va relever d'autres infractions beaucoup plus dangereuses pour le consommateur. Bah là, il y a un périmé. Et ce n'est pas le seul. Tu l'avais périmé aussi, hein. 2 produits périmés surgelés. De la chair à saucisse, mais aussi du magret de canard. Celui-là, je sais pas, ça a été coupé, donc si c'est comme ça, c'est périmé aussi. Et puis là, on est au 2 février 2018. Je sais pas à quel moment vous les avez congelés. Ça, cette semaine. Ça, par contre, non. Oui, je l'ai complètement. D'accord. Mais ça, on les a achetés cette semaine. Si vous l'avez acheté cette semaine, vous, en tout cas, vous l'avez acheté périmé. Un restaurateur n'a pas le droit d'avoir des denrées périmées dans son établissement, sous peine d'amende. Mais pour ces viandes, c'est un peu différent, car elles sont congelées. Le restaurateur doit prouver qu'il a effectué la congélation bien avant la date de péremption. On peut congeler des aliments, le restaurateur a tout à fait le droit. Après, c'est à lui de me prouver, hein, c'est à lui d'apporter la preuve, quel qu'il soit, qu'il l'a mis avant la date de péremption. J'ai acheté 2 cette semaine. Cette fois, Rémi a un mauvais pressentiment. Il flaire une nouvelle combine et il ne va pas tarder à en avoir le cœur net. Si vous avez une facture. Hop, merci. Magret de canard. Le produit a été acheté le 2 février. Ça a été acheté le 2 février ? Et ça a été périmé au 2. Quand vous l'avez acheté, c'était le dernier jour. Hein. D'accord. Vous l'avez acheté le 2 février, ça allait jusqu'au 2 février. Donc si vous ne l'avez pas passé dans la journée... Je l'ai congelé le même jour. Quand vous avez acheté votre magret, c'était trop juste. Hein. Ouais, c'était le jour même. Si vous avez 10 jours d'avance, j'ai ça va. Ouais. En fait, le restaurateur aurait dû congeler son magret au moins 1 semaine avant la date de péremption. Il est donc dans l'illégalité. Cette fraude est assez courante dans le milieu, car lorsqu'une denrée est presque périmée, elle est généralement vendue moins cher. Les restaurateurs économisent ainsi pas mal d'argent. Impossible de savoir si le pizzaïolo a violé la loi intentionnellement. Alors dans le doute, et parce que c'est la première fois qu'il est contrôlé, il va échapper à la sanction. Mais Rémi le met en garde. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Vous allez avoir un avertissement là-dessus en vous disant... Ça, il ne faut plus que ça arrive. D'accord. Il y aura un nouveau contrôle. Ouais, ouais. Vous devez respecter D'accord. la loi sur les DLC. Ouais. Et à la suite de ce nouveau contrôle-là, si on n'en retrouve plus, l'action de public s'éteint. Ouais. Si on en retrouve, ouais, là, amende. Le patron du restaurant s'en tire bien. Mais il va devoir sérieusement changer d'attitude, car Rémi a bien l'intention de le tenir à l'œil. En France, les restaurants qui donnent le plus de fil à retordre aux inspecteurs sont les établissements de restauration rapide. Vendeurs de kebabs, pizzerias, tacos, sandwicheries, il serait plus de 60 000 répartis sur tout le territoire et leur nombre ne cesse d'augmenter. Mais la qualité et l'hygiène ne sont pas toujours au rendez-vous. Au nord de Paris, dans les rues d'Aubervilliers, Muriel et son collègue Patrick, les 2 policiers de la DDPP, le constatent régulièrement. Ce soir, ils sont de retour pour une opération coup de poing dans 2 établissements de restauration rapide. Le premier est une petite pizzeria du centre-ville. Pizzeria, c'est le type d'établissement qui présente potentiellement le moins de risques. Parce qu'il y a très peu de manipulation. C'est essentiellement de la pâte. Pourtant, ce soir, les 2 policiers... vont avoir une première mauvaise surprise. Qu'est-ce qui se passe? Elle est fermée.
Il a fermé il n'y a pas longtemps. Bon, possible qu'il ait repéré les véhicules de police et que bon, qu'il ait décidé de fermer. Après, on n'en sait rien, hein. On ne peut pas dire, hein. Mais c'est possible. Muriel ne croit pas si bien dire. En passant par la porte de derrière, les policiers qui les accompagnent s'aperçoivent vite qu'il s'agit d'une feinte. Ils ont fermé le rideau parce qu'ils ont dû voir les effectifs de police et les véhicules, mais on peut constater quand même qu'ils sont en pleine activité de restauration. Il y a des clients qui sont en train de dîner, donc on va aller procéder au contrôle. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Ben c'est pas gentil de fermer quand on arrive quand même. Hein ? C'est pas gentil, hein, dis donc. La tactique a presque failli fonctionner, mais c'est perdu pour le restaurateur. Et c'est un très mauvais départ. Monsieur, coupez le chaud là s'il vous plaît, parce que ça va cramer. Muriel commence l'inspection, agacée. Et elle va très vite comprendre pourquoi le restaurateur a baissé le rideau. C'est d'un sale, mais alors... Non, c'est vraiment sale, quoi. Alors, vous voyez, l'état d'un congélateur complètement pris en glace, des bacs qui sont cassés, et on conserve des denrées dans un état, une enceinte aussi sale. Bon, les grilles, hein, elles sont recouvertes de résidus alimentaires, donc là, le nettoyage... Des réfrigérateurs couverts de graisse, mais aussi des couteaux et des ustensiles de cuisine à l'hygiène douteuse. Vous voyez, il y a un disque ici qui permet de trancher. Et on voit clairement qu'elle n'a pas été correctement nettoyée. Tous ces résidus de viande, là aussi, vous en avez un peu, là, quand même. C'est pas propre du tout. Et là, il y a potentiellement un risque de contamination parce que vous allez trancher une viande avec un équipement qui est sale. Et Muriel va aussi découvrir qu'une bonne partie du matériel ne fonctionne tout simplement pas. Qu'est-ce que vous allez faire, hein ? Donc là, on va tester l'efficacité de l'aspiration. Et on va le plaquer ici. Je sais pas, je suis pas convaincu. Je suis pas sûr. Non, elle aspire pas. La haute n'aspire absolument. Ce qui justifierait un peu aussi que les plafonds sont très jaunes. Parce qu'en fait, elle n'aspire pas. Le pizzaiolo a pourtant suivi une formation à l'hygiène il y a un peu moins d'un an. Son diplôme est affiché au milieu de la cuisine. Qu'est-ce que vous avez retenu, monsieur, de cette formation ? Est-ce que vous en avez retenu des procédures, des choses à faire ? Parce que visiblement, vous ne les faites pas, quoi. Moi, je suis tout seul. Peu importe, monsieur. Tout établissement exerçant un métier de bouche a l'obligation du résultat, avec les moyens dont il dispose. Nous, on ne vous demande pas d'avoir un palace, d'avoir de la surface. Vous faites avec les moyens dont vous disposez, mais vous êtes astreint à l'obligation de résultat. Non, mais le thermomètre, il ne marche pas. Vous n'en servez pas, il ne marche pas. Il n'y a pas d'affichage, je regarde. Mais mettez pas votre main devant, monsieur. Pardon, madame. Désolé. Les excuses n'y changeront rien. Le verdict des policiers est sans appel. Il y a vraiment un manque de volonté d'appliquer ce qu'on a appris. Je ne sais pas s'ils ont appris, hein, mais bon. Non, mais là, je pense qu'on va fermer. Mais là, pourquoi on ferme ? Comment j'ai fait, alors ? Vous allez nettoyer, déjà. Vous allez nettoyer. Plus vite, c'est... Regardez ici. Regardez comme c'est poisseux, alors qu'ici, il n'y a aucune cuisson. La cuisson est de l'autre côté. Comment expliquez-vous que ce soit aussi graisseux ? Le patron accuse le coup, mais il ne réalise toujours pas que ces négligences peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé de ses clients. Non, la décision est irrévocable. C'est pas vous qui allez décider de la sanction, monsieur. Ce n'est pas discutable, monsieur. Muriel et Patrick sont inflexibles. Près d'une fois sur 10, leur contrôle se termine par une fermeture. Et dans certains cas, ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Direction un bar soupçonné de faire de la restauration en toute discrétion et sans autorisation. Ils ne le savent pas encore, mais ce contrôle va se révéler un véritable cauchemar en cuisine. L'établissement a déjà été inspecté et il était en règle. Mais cette fois, en franchissant la porte d'entrée, les soupçons se renforcent. Oh,
sent bizarre ici. Le bar baigne dans une forte odeur de poisson grillé. Ça sent bizarre. Hein. Ouais, ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a personne qui mange, mais oui, ça sent quand même la cuisine. Hein. Je vais vérifier ce qu'il y a dedans. Ça sent quand même... Ouais. Ah, bah si. Ils font des plats... Si, ils font de la restauration. Voilà. Il y a plein à manger, là. Derrière le bar, le cagibi qui fait office de cuisine. Les policiers n'en croient pas leurs yeux. C'est du jamais vu. Vous avez des locaux qui sont dans un état... Regardez, c'est immonde. C'est vraiment très sale. C'est une absence totale de nettoyage. Vous avez des équipements qui sont inadaptés à l'activité de restauration. Certains sont d'un autre âge, comme ce réchaud à gaz qui ne répond à aucune norme actuelle. Il y a un réservoir d'une chasse d'eau qui se trouve derrière. Donc s'il y a un écoulement, vous voyez dessous, il y a des instruments qui sont utilisés pour faire de la cuisson. Il y a un risque de court-circuit, carrément. Ça peut tomber là-dessus, vous voyez. Ça, c'est une assiette qui était prête à la consommation. Ça peut tomber là-dessus, donc en cas de fuite, donc contamination, évidemment. N'importe quelle personne normalement constituée n'aurait pas envie de manger des denrées qui sont cuisinées dans un établissement aussi sale et aussi peu approprié. Et pourtant, à l'arrivée des policiers, un cuisinier était bien au fourneau dans ce local insalubre. Pour preuve, ces aliments abandonnés à la hâte, en pleine préparation. Vous avez des poissons qui sont quand même maintenus dans une eau plus ou moins propre, à température ambiante, dans un environnement très souillé. Est-ce que c'est du poisson? Est-ce que ça m'a l'air une denrée fraîche? Peut-être. Du poisson. Oh mon Dieu. Alors les poissons, c'est une décongélation à température ambiante. Normalement, une marchandise doit être décongelée à l'abri des pollutions ambiantes et à 4 degrés. C'est pas de la restauration. Ça, c'est du... Du dégoût, tout simplement. Parce que là, franchement, c'est... Ah, moi, je ça vous dégoûte? Ça me dégoûte. Puis regardez, l'huile de friture ressemble carrément à de l'huile de vidange. De l'huile de vidange. Elle n'a pas été renouvelée elle depuis. Elle est nocive. C'est la pire cuisine que vous avez vue, Patrick? Fait partie des pires établissements que j'ai contrôlés depuis le début de ma carrière. C'est vrai. Les poissons dans l'eau, bah oui, c'est logique. Oui, c'est vrai que c'est sa place. C'est logique. Patrick et Muriel en plaisantent, mais ils n'en pensent pas moins. En pratiquant une activité de restauration en dépit de toutes les normes d'hygiène en vigueur, le gérant de l'établissement a un comportement totalement criminel. Vous les destinez à qui, les petits plats qui sont dans le frigo? Ça part où? Elles sont destinées à qui? À votre communauté. Oui. Une communauté de quelle origine? Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte dans quel état les plats sont potables? Comme les amis de Manasso, les criats, c'est normalement, c'est un bar. Avant de partir, les policiers saisissent les barquettes incriminées pour les détruire. L'établissement sera finalement fermé en urgence dès le lendemain matin. Peut-être pas sauver les consommateurs, mais en tout cas éviter qu'il y ait un drame et une intoxication alimentaire. Donc, sentiment du devoir accompli. On est parti? Allez, on part. C'est parti pour d'autres aventures. Éviter une catastrophe sanitaire, c'est l'obsession des inspecteurs. Et il y a certains établissements avec lesquels ils sont particulièrement rigoureux. Les ateliers de fabrication industrielle. Ces usines sont même classés prioritaires, car leurs clients se comptent chaque jour en centaines, voire en milliers. Alors en cas de contamination, les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques. Le lendemain matin, dans les bureaux de la direction départementale de la protection des populations, deux collègues de Muriel et Patrick se préparent pour une mission un peu spéciale. Allez, à tout à l'heure. Hein. T'as les clés, t'as tout. Oui. Aujourd'hui, Xavier, le chef de l'unité, et Nadia doivent contrôler une usine à haut risque.
un fournisseur de restaurants kebab, chez lequel ils ont déjà constaté de très gros problèmes d'hygiène. Le patron de l'établissement a même été sommé de mettre ses installations aux normes. C'est un établissement qui a un passif, puisque l'an dernier, il avait fait l'objet d'une mise en demeure suite à un niveau de maîtrise sanitaire qui avait été jugé insuffisant à l'époque. Donc c'est un établissement qui, au regard de sa note de risque, est classé 4. C'est-à-dire que c'est un établissement qui doit être inspecté deux fois dans l'année. Les établissements sont classés de 1 à 4 selon le type de viande et le volume de production. Le chiffre 4 correspond au risque maximum. C'est le cas du fournisseur de viande de kebab, chez lequel Xavier et Nadia se rendent aujourd'hui. Alors les inspecteurs vont devoir tout passer au crible et surtout vérifier si le directeur a fait le nécessaire pour remettre son usine aux normes. Bonjour. Bonjour monsieur Xavier Rosière, du Châtel. Oui, c'est déjà vu. Ben voilà. On vous suit pour l'établissement. Voilà. Le directeur de l'établissement n'est pas vraiment étonné de voir les inspecteurs débarquer à l'improviste. Il se sait sous haute surveillance. Mais pour lui et sa responsable qualité, ce n'est jamais vraiment une bonne nouvelle. Le parfait n'existe pas dans notre métier, vous savez. Donc après... Mais on doit vous voir deux fois dans l'année, hein, du fait de votre classification. Mais voilà, on n'est pas là chez vous tous les jours non plus, pour autant, heureusement. C'est bon, on y va. Oui, on vous suit. Je peux laisser mon sac là ? On peut laisser mon sac, ok. D'accord, ok. L'inspection démarre par les vestiaires de l'usine. Ce sont des pièces stratégiques, car elles jouent le rôle de sas de décontamination entre la rue et les zones de fabrication totalement aseptisées. Et pour le directeur, ça commence mal, car les deux agents repèrent d'emblée plusieurs problèmes. Là, c'est quoi ? On a un mélange entre tenue civile et tenue propre. Okay. Et ça, c'est des problèmes de discipline. Si on met des tenues propres spécifiques pour la production, c'est pour une raison. Il faudrait qu'ils mettent leur tenue sur la mer en bas et en haut. Ouais, ouais, voilà. À vous de trouver la meilleure solution. Là, c'est sale, monsieur. Ça, vous voyez, c'est encrassé ici. Voilà, là, surtout là. Oui. Les trois. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pourtant essentiel. Quand ils pénètrent en zone de production, les ouvriers ne doivent pas rapporter de bactéries avec eux. La règle est la même pour Nadia et Xavier. Là on vient d'une zone dite non propre. Donc on va rentrer dans l'outil de production. Donc il appartient de ne pas pénétrer avec des souillures. Ici, les normes françaises sont dignes d'un hôpital. Pardon ? Et pour cause. Dans ce laboratoire, les ouvriers fabriquent des broches de kebab, près de 4 tonnes par jour. Un mélange de veau, de poulet et de dinde. De quoi nourrir jusqu'à 300 000 personnes par mois. Donc c'est la salle de montage, en fait, des broches. Voilà. Ouais. On essaie de vraiment travailler la viande fraîche, quotidienne, pas surgelée. C'est pour ça qu'on est vraiment conscient du risque qu'on fait. Ouais, c'est pour ça. Oui. Conscient, mais pas forcément à l'abri d'une erreur. D'ailleurs, Nadia vient d'en repérer une nouvelle. On voit quand même la capuche de leur tenue civile ici. Mmh. C'est vrai. Voilà, il faut que ce soit bien couvert. Par exemple, le monsieur qui est au bout, il est bien. Avec la blouse, le masque, les gants, les bottes, pareil pour ce monsieur. Alors que là, pour moi, ces trois personnes-là sont entre guillemets un peu non conformes. Encore un mauvais point. Et ce n'est pas fini. Car les deux agents ont l'œil partout. Jusque dans les moindres détails. Par contre, je voulais juste voir la table ici. Ici, vous avez un thermomètre. Regardez l'état du cachet. Et on a quand même un peu de tout ce qui est maintenance. La maintenance, ça n'a rien à faire ici. Hein. Tout ce qui est boue, etc., ça peut ramener des micro-organismes. Vous pouvez contaminer tout ce qui est réparé ici. La loi impose des mesures d'hygiène draconiennes. Le directeur et sa responsable qualité ont beau être de bonne volonté. Pas facile de respecter toutes ces normes. Ça, c'est pas très propre. Hein. Il y a quelques résidus séchés de viande qui subsistent. Et puis on a des outils qui sont usés ou mal nettoyés. C'est vrai qu'on devrait faire comme ça, mais dans la pratique, c'est pas évident. C'est compliqué. Vraiment, c'est vraiment... Oui, on entend bien par rapport à ça. Regardez la poignée, ici, la poignée. Ah, oui, ça, là. Ça, c'est normal. Là, ah, c'est bien, non, mais je suis d'accord avec vous.
C'est le problème pour le directeur. Le coût du nettoyage en profondeur imposé par la loi. Il est bien plus élevé que pour certains de ses concurrents européens où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Résultat, le prix de sa viande est moins compétitif. On est forcément plus cher que les concurrents au marché. Et c'est pas grave, les gens connaissent notre produit, connaissent notre marque, donc c'est ce qui fait notre force, si vous voulez. Dernière étape du contrôle, la plus importante. Vérifier les analyses que l'entreprise doit effectuer quotidiennement sur ses viandes pour être sûr qu'aucune bactérie tueuse n'atterrisse dans le sandwich d'un consommateur. Là encore, c'est une obligation légale. En l'occurrence, il n'y a pas dépassement des critères pour tous les autocontrôles réalisés depuis le mois de février. Donc tout est satisfaisant. Une bonne nouvelle pour les inspecteurs de l'hygiène. À force de contrôle, le directeur a semble-t-il compris qu'il fallait être intransigeant. Bilan positif aujourd'hui, il est soulagé. Au début, c'était un stress pour nous, mais au fur et à mesure, on a vu que c'était juste plus pour nous accompagner qu'autre chose. Disons que voilà. Grâce à vous, on a un peu appris le milieu de l'alimentation, quoi, de la viande surtout, on ne connaissait pas avant. Voilà. Les inspecteurs repasseront dans quelques mois pour vérifier à nouveau chaque détail. S'ils se montrent aussi intraitables, c'est que la moindre petite erreur sur l'hygiène peut parfois conduire à des drames qui font régulièrement la une de l'actualité. Comme ces 225 enfants infectés il y a quelques mois par une salmonelle près de Roubaix, dans le nord de la France. C'est une bactérie qui attaque les intestins. Présente dans les viandes, les fruits de mer, le lait ou les œufs, elle fait régulièrement des victimes. Comme dans cette autre affaire, où 10 personnes infectées par des fromages sont décédées il y a quelques années. Et ce n'est pas la seule bactérie tueuse. Il y a aussi l'Escherichia coli, surtout présente dans les viandes crues. Elle attaque les reins. Souvenez-vous cette affaire qui a brisé la vie d'un enfant à tout jamais. C'était il y a un peu plus de 7 ans. Une palette de steaks hachés distribuée dans les plus célèbres marques de supermarchés contamine 16 enfants. Parmi eux, le petit Nolan infecté à 23 mois. Il ne s'en est jamais remis. Aujourd'hui, il souffre de lésions neurologiques qui limitent sa motricité et ses facultés intellectuelles. Un cauchemar pour ses parents. On nous annonce que Nolan ne mangera plus, ne parlera plus, ne marchera plus. Notre vie, elle a changé. Il faudra adapter une maison, une voiture. Et j'ai dit, ouais. Ah oui, c'est pas mal quand même. Aujourd'hui, les parents de Nolan réclament justice. Et ils ne sont pas les seuls. Dans le nord de la France, près de Douai, Ségolène n'est pas prête d'oublier cette histoire qui a fait basculer sa vie et celle de toute sa famille. Quand on voit le petit Nolan, on a beaucoup de chance, quoi. On a de la chance. De la chance, car l'un de ses 3 enfants fait aussi partie des victimes. Mais les séquelles sont moins importantes. C'est son aîné, Maëva, 11 ans, qui a été contaminé. Salut, ma chérie. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, les loulous. T'as été ? Oui. Ouais. Aujourd'hui, Maëva peut vivre une vie presque normale, malgré des lésions aux reins irréversibles. Allez. Mais sa mère doit constamment surveiller son alimentation. Qu'est-ce que vous avez mangé de bon ? Des frites. Elles n'étaient pas salées du tout. Elles étaient trop bonnes, les frites. Allez. Et tous les soirs, après l'école, sa mère et son père doivent lui rappeler ses obligations alimentaires. Salut, ça va ? Salut, papa. Ça va ? Maëva est astreinte à un régime sans sel draconien. De nombreux aliments lui sont interdits ou déconseillés. C'est des aliments riches en sel, du fromage, la charcuterie et du jambon, des coquillages crustacés saumon fumé. C'est les aliments qui te sont déconseillés. Plus en sel que j'ai pas trop le droit de manger. La jeune fille sait qu'à tout moment, sans prévenir, ses reins peuvent à nouveau s'affaiblir ou même cesser de fonctionner.
Alors, elle a dû se faire une raison. Les écarts lui sont interdits et ce sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Bah, ça fait déjà 7 ans que je mange pas de sel, donc du coup, bah, à un moment, il faut s'habituer. Puis, C'est pas grave de manger sans sel. C'est pas très difficile à s'habituer. Aujourd'hui, les parents de Maëva ont pris du recul et ils tentent de rassurer leur fille comme ils le peuvent. Mais il y a quelques années, ils ont bien cru qu'ils allaient la perdre à tout jamais. Tout commence un soir d'été par un banal repas. Stéphane, le père de Maëva, prépare des spaghettis bolognaises avec un steak haché surgelé, acheté en supermarché. Sans se douter une seconde qu'il est en train d'empoisonner sa fille, âgée de 4 ans à l'époque. Quelques jours plus tard, des symptômes similaires à ceux d'une gastro-entérite apparaissent. Elle se plaignait de douleur, elle se tordait sur les toilettes. Elle avait des glaires aussi dans ses seins. Ouais, donc on se disait que ça ressemblait plus à la gastro du tout. Ce qu'il y avait en plus, c'est qu'elle avait du sang dans les selles. Donc là, ça nous a un peu inquiétés. Moi, j'ai quitté mon poste de travail pour aller la chercher, l'emmener aux urgences, parce que j'avais en contact le médecin traitant qui m'a dit, là, il n'y a plus à se questionner, ça doit être autre chose que la gastro. Stéphane conduit alors sa fille aux urgences. Mais il est loin d'imaginer ce qui l'attend. On passe d'un cas bénin de gastro-entérite à quelque chose de grave, en sachant qu'il y aura une alerte sanitaire, que c'est quelque chose d'important, que Maëva n'est pas la seule et que pour l'instant, ses fonctions rénales ne marchent plus. Ouais, elle est en insuffisance rénale sévère, on nous avait dit. C'est vrai que j'ai vu le pire quand on nous a parlé d'insuffisance rénale. On nous a dit qu'on... C'est grave. Ouais. On nous a dit, on ne sait pas ce que ça va être la suite. On nous l'a dit. L'émotion, elle a pris le dessus. Hein. C'est le sol qui s'effondre sous les pieds à ce moment-là. Maëva sera soignée une semaine à l'hôpital avant de rentrer chez elle. Après l'effroi, place à la colère. Car les parents de la petite fille apprennent que c'est l'usine de fabrication des steaks hachés qui est à l'origine de tout leur malheur. Elle se situe en Haute-Marne, dans l'est de la France. Il y a 7 ans, cette entreprise, désormais en ruine, fabriquait 2 millions de steaks hachés par semaine. C'était le troisième plus gros producteur du pays. Son patron a été condamné à 50 000 euros d'amende et 3 ans de prison, dont 2 en ferme. Le tribunal a estimé qu'il a manqué à ses obligations de sécurité. Car le lot de steaks hachés contaminés a bien été détecté par le responsable qualité de l'usine, mais il n'a pas été retiré de la vente. Comment en est-on arrivé là ? Nous sommes allés poser la question au patron de l'entreprise. Il a accepté de nous recevoir en présence de son avocat. Allez-y, installez-vous. Pour sa défense, Guy Lamorlette affirme que l'erreur a été commise par son responsable qualité de l'époque. Mais l'homme est aujourd'hui décédé à la suite d'un arrêt cardiaque. Sur 79 palettes, sur les 80, il n'y a pas eu de problème, aucun. Sur une palette, il y a eu 700 germes au lieu de 500 maximum. Qu'est-ce que fait le responsable qualité? Il prend la décision de faire une contre-analyse. Elle revient bonne. Qu'est-ce qu'il fait, lui? En toute bonne foi, il prend la décision de libérer la palette. Et puis aujourd'hui, ben, on lui a reproché, on lui a dit, c'est pas cette analyse qu'il aurait fallu, il aurait fallu plus. C'est vrai que si on savait tout, quand il y a un accident ou un incident, on ne ferait pas comme on l'a fait. Il faut en tirer l'enseignement. Vous n'étiez pas au courant de ce qui s'est dépassé? L'entreprise CEP, 400 000 steaks hachés par jour, 180 personnes. Je suis le président de la société. Est-ce que vous pensez que parce qu'il y a une palette qui a un petit problème, on vient voir le patron? On ne va pas voir le patron chaque fois qu'on a un petit problème. Guy Lamorlette dit-il la vérité? Impossible de le savoir. Mais les magistrats ont entre leurs mains un autre élément à charge. Ils lui reprochent une décision prise quelques mois avant le drame. Un allègement drastique des mesures de sécurité sans avoir obtenu l'autorisation des services d'hygiène. Mais là encore, le patron rejette la faute sur son responsable qualité. Vous essayez quelque part de dire, bah, monsieur Lamorlette, vous êtes une mauvaise personne parce que vous avez...
Vous n'avez pas respecté ce qu'on vous avait imposé. Le débat, il n'est pas là. Lui, il a fait confiance à un de ses salariés qui était spécialiste dans le domaine, qui était microbiologiste, etc. Ce que j'ai cru comprendre quand il était encore de ce monde-là, c'est qu'il disait que les choses n'étaient pas aussi simples, que les tests n'étaient pas fiables, et que de toute façon, pour lui, mais ça n'aurait rien changé. Donc à un moment donné, il y a quand même un enchaînement, c'est ça qui joue dans la culpabilité. C'est, ça, c'est là-dessus que vous êtes attaqué, enfin je veux dire clairement. Oui. C'est pour ça que c'est important de répondre là-dessus, c'est vraiment mon avis. On ne peut pas répondre pour un mort, mais la problématique, la vraie problématique, est peut-être là. Est-ce que ça rend la défense plus simple? Très certainement plus compliqué, parce qu'il avait des choses à dire d'un point de vue technique. Après, il est évident que M. Lamorlette pourra effectivement dire dans un second temps que M. Ayer a peut-être pris des initiatives que lui n'aurait pas prises. Guy Lamorlette a fait appel de la décision de justice prise en première instance. En attendant un nouveau procès, il est toujours présumé innocent. Mais aujourd'hui, son attitude scandalise les parents de Maëva. Bonjour, maître. Comment allez-vous? Très bien, vous? Près de Douai, avec leur avocat, Stéphane et Ségolène se préparent eux aussi pour cette deuxième épreuve. Vous attendez une confirmation de la décision de première instance. Exactement. Sur la culpabilité d'une part et sur la peine d'autre part. Exactement. Et puis qu'ils reconnaissent. Ils s'excusent pas. Voilà. S'il garde le même discours qu'il a eu à la première audience, je pense que ça peut aller mal pour lui, parce qu'il faut qu'il reconnaisse, qu'il reconnaisse ses torts. On a besoin d'entendre à ce moment-là, d'entendre un... Qu'il y a eu des fautes commises. Oui, je suis responsable, ou ne serait-ce qu'un je suis désolé. Chose qu'on n'a pas à ce moment-là. Donc, c'est une déception, ouais. Le procès se tiendra dans quelques mois. Merci. En attendant le verdict final, la vie de toute la famille est mise entre parenthèses. C'est pour éviter ce genre de drame que les inspecteurs de l'hygiène et de la répression des fraudes multiplient les contrôles au quotidien. En France, l'an dernier, ils en ont réalisé plus de 70 000 dans les usines, les commerces alimentaires, dans nos restaurants et sur nos marchés.